Hey, salut à tous les amis, c'est Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour le début du questing. Ça y est, on y est enfin. Alors, comment ça va se passer maintenant, hein? Quoi? Ah, avez-vous récupéré l'âme? Ah oui, c'est vrai, non. Il va falloir que je fasse le bastion du Freux pour ça. On va récupérer les missions, on va récupérer également les nouvelles recrues. Hop là, merci. Et on va envoyer d'autres en mission. Hop là. Hop. Voilà. Vous me donnez quoi ça déjà? Ah purée, oui, de l'XP. Bon, ok, ça n'a pas servi, eux. Enquête dans l'œil d'Ashara. Coquillage gravé. Cet objet permet de lancer une quête. En le collant contre son oreille, on discerne une lointaine voix maléfique. Ok. Ah, si elle n'est pas contrée, la caractéristique mort tue l'ensemble des troupes, quelle que soit leur vitalité. Ok. Ainsi de la corde Pharaon 10. Oh, de la réputation. D'accord, d'accord. Bien qu'elle reste discrète, la reine Ashara contrôle les nagas d'une main de fer et l'on murmure qu'elle serait à la recherche d'une puissante relique. Ok, c'est un truc donjon. Ok, bon, 3% de chance. Mais bon, tant que j'ai pas ça pour contrer. Oh, bordel. Ok, bon, je peux pas les envoyer encore. Oh, purée, ouais, maintenant je commence à avoir les missions comme ça. Bien, bien, bien. Bon, d'accord, ben j'ai plus rien à faire ici, donc. Plus rien à faire, j'ai pas assez de puissance à dépenser. Ok. Au pire, je peux aller faire le bastion du Freux avec la guilde. On peut essayer de faire ça, ouais, je vais demander. Après, est-ce qu'ils sont en donjon? Ah mince. Le bastion du Freux à faire en normal. Qui voudra? Ok, bon, on va aller voir un Khadgar. Bali, Osef, on te le rush en héros. je sais pas si j'ai accès. J'ai direct accès ou pas? Parce que j'ai combien? J'ai 777 de high level. Attends, je vais quand même mettre la cape. 787, donc bon. Je vais voir. Alors. Il faut arrêter Gul'dan. Ah, une, et la non, ouais, une traînée d'écho, ok. Si cela fonctionne, tout espoir n'est peut-être pas encore perdu pour Turalyon et l'armée de la lumière. Les larmes des lunes sont prêtes pour vous, les Arstragos. J'ignore ce qu'il convient de faire à présent. Rapportez la relique à votre domaine et tentez de l'utiliser sur le cœur de la lumière. Pourquoi ne pas les mettre en contact? Franchement, je n'en sais pas plus que vous. Espérons que cela fonctionnera. Adieu, mon ami. Ok. Ah, on a la larme des lunes. Cette relique des titans vibre tant elle contient d'énergie, ok. Bon, je prends ça également. Oh mince! Non! Ah, Khadgar, pourquoi tu nous y envoies sans nous? Oh purée, la bague de Khadgar s'anime dans un crépitement. Ok, bon, ben, on va au moins commencer elle ça. A dû passer ah, par là. GG. Continuez oh. À chercher. Oh. D'accord, coucou. Ah, oui, je peux pas, je peux plus mettre ça, ok. Ah. Hop. Chargez. Hop. Ok, il y a des sacromies. Oh, anomalie gênante. On va sortir de là. Ok. Oula, décharge de mana. Hop. Or, terrasse, à la... Ah, mana ancestrale. Cool. Ok, elle est où ta baguette, là? Hop. Oh. Oh. Faible écho arcanique, décryptage. Sur Amar en toute hâte. Ouais. Vous pourriez bien être notre dernier espoir. Ok. J'espère bon. Que quelqu'un oh. M'écoute quelque part. Ouais, t'inquiète pas. Écho, Il faut continuer à avancer. Se tient le flanc en grimaçant de douleur. Ah mince. Bon, je... ne vous inquiétez pas, hein, j'irai continuer au rock. Hein. Là, c'est juste l'introduction de Sur Amar. C'est vrai que là... Je suis un peu en avance. Oh purée. Ah. Ok. Je suis un peu en avance. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon.
Tant pis, on va au moins faire ça, au moins ce sera fait. Bon, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux choper du légendaire, hein, si je suis chanceux. Ah, purée. Bon, il faut que je fasse cela. Des sacres nuits, hein. À l'attaque. Hop. Oh non. Ok, parfait. Voilà. Encore du mana ancestral. Toi, je sens que tu vas venir faire chier. Hop là. À l'assaut. À l'assaut. Hop là. Hop, Blue Blaze et pouf. Parfait. Oh, deux mana. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ce sera peut-être utile. Hop. Ah. Ok. Hop. Wrath. Oh. Des flétries. Je ne dois plus être bien loin. Ok, il y a des flétries, hein. Wrath Thomas. Tiens, encore des flétries. Attends-nous, l'écho, s'il te plaît. Non. Attends-nous. Oh, purée. Bande de quoi, rune écaille. Ok. Ok. Hop. Ah, purée, des souffre-nuits. Enfin, des flétries. Je sais pas si on peut vraiment distinguer les souffre-nuits des flétries. Il me semble que c'est quand même la même chose, même si... Oh, purée. Erasmus, d'accord. Seconde lame d'Elissandre. Erasmus, lame lune. Arrêt du temps. Figé dans le temps, what? Fais voir. Hop. Hop là. Hop, coucou. Bas les armes, Erasmus. Ne voyez-vous pas qu'Elissandre nous a abandonnés? Ah. Anna. Ok, c'est elle qui l'a figé dans le temps. Voilà, le... je gagne un peu de temps. Ah, ok, ça veut dire que là, il va sortir du temps. Oh, purée. Ok. Et nous, on fait quoi, là? Ah, Erasmus tué. Ok, ben d'accord, et allons-y, hein. Oula. Un sort d'arrivée. Elle me l'expéra. Vous n'avez pas à vous en mêler. Si. Elle sera à trahir la grande magistrice et doit être chef. Non, jamais. Je t'envoie les brassards cuir et mailles par la poste. Ah, ok, merci, Chrisma. Hop, attends. Admirez la puissance des sacres nuits. Admirez quoi, je viens de te stun. Hop. Ok, il me manquera plaque et couture, ça veut dire. Je suis un champion. Ok, il faut continuer par là. Oh. Ah, elle est là. Première arcaniste. Les souffre-nuits. Ah. Ouais, non, ok, d'accord. On peut bien les distinguer. Distinguer les souffre-nuits des flétries. Ok, d'accord, ouais. Ça veut dire que c'est moi qui faisais de la merde. Hop, je vais quand même lui linker mon métier. Alors, qu'est-ce qu'il y a, le chat? Nous ne sommes plus... Un étranger. Vous avez reçu mon message? Notre volonté. Ah, voilà. Réputation auprès des souffre-nuits. D'accord, je suis à quoi, là? Souffre-nuit neutre. Bon, il faut passer amical, hein. Ok. C'est pas difficile, donc ça peut aller. J'ai beaucoup à vous dire, mais il serait imprudent de me confier à vous ici. Je ne tiendrai pas cette barrière éternellement. Talisra porte un flacon délicat à ses lèvres et boit une petite gorgée. Aussitôt son regard se retrouve toute sa vivacité. Continuons, nous trouverons peut-être un abri un peu plus loin. Pièce sacrée, sacre nuit enchantée, transmise de génération en génération, cette pièce a conservé le savoir de tous ses anciens propriétaires. Le salut, ok. Les chats d'oreilles. Wrath Anutanos.
Oh, purée, elle est puissante. Sur nos gardes. Ouais. Les flétris rôdent et ils ont faim de magie et de chair. D'accord. Ok. Ainsi vont les sacres nuits, coupées du puits de la nuit. Ah ok, là on a l'explication. D'accord. Le puits de la nuit, hein. Ainsi irai-je aussi. Oh. Sauf si... Ah non, hein, tu vas pas te transformer comme... comme... Attention. Oh purée, comme Runas quand même. Et Rath Omnas. Oh. Oh purée. Éloignez-les de la barrière. Ouais, t'inquiète. Hop, toi aussi, viens. Et toi aussi. Allez, venez tous attaquer, là. Hop, vas-y, avance. Ils sont repoussés. T'inquiète, je ne vois que des démons, mais je suis gentil, hein. Hop là. Ok, ok, ok. Allez, go, go, go. Je faiblis. Non. Il nous faut un abri. Oui, 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 t'inquiète. Hop. Défends celui-là, tourne. Ne le laisse pas approcher. Hop. Oh purée, il y en a encore. Ah. Allez-vous-en. Hop. Je... Oh. J'ai besoin d'un moment. Allez. Tiens bon. Oh purée. Encore des os à faire. Non. Non. Il sape l'énergie de la barrière. Arrêtez-vous. Bon sang, c'est pas possible. Tiens bon Torun, on t'envoie du renfort. Hop là. Ils sont okay. Si nombreux. Oh. Ouais, en effet, purée. Je pense pas qu'il y en aurait autant. Où est-ce qu'on va là? Oh purée. Ils avancent comme des... Étrange. Ils devraient pourtant nous suivre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas aller là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Shalaran, sanctuaire. What? J'ai besoin de repos. Ok. Vous savez vous battre. Peut-être est-il temps de faire les présentations. Talisra grimace de douleur en portant la main à son ventre. Je ne peux plus me permettre d'ignorer cette blessure. Aidez-moi à la penser et je vous expliquerai tout. Anrata adore. Ok. Hop. Oh. Cinématique. Il y a 10 000 ans. Oh. Ma cité était radieuse. Oh. Le joyau de l'empire elfique. Oh. Sur Amar. Purée, c'était beau en effet. Notre peuple prospéra pendant des siècles. Hein? Jusqu'à l'arrivée de la Légion. Oh là là. Enivré par le pouvoir à sa portée, notre reine nous trahit. Oh purée, ça. À sa ruine. Oh. Ok, avec d'accord. La destruction pour seule perspective, une solution désespérée s'imposa. Ok. Créer un bouclier puissant qui sauverait notre cité adorée. D'accord. Oula. En effet, ça l'a protégée. Et cela fonctionna. Ouais. Des siècles passèrent. Sans lune, ni soleil. Oh purée. Pour survivre, nous eûmes recours au puits de la nuit. Okay. Une source de grande puissance au cœur de la cité. Mm-hmm. Lentement, il nous transforma. Oh. Et finit par attirer une nouvelle fois la Légion à nos portes. Oh purée, non. Elle nous demanda de faire un choix. Oh. Lui céder le puits de la nuit ou mourir. Oh. Alors que les anciens organisaient notre capitulation, ouais. Certains d'entre nous se rebellèrent. Oh purée. Oh. Nous échouâmes. Non. Sur Amar est désormais aux mains des démons. Oh. Et atteinte par la malédiction du puits de la lune, oh. Je suis condamnée à dépérir. Alors que ma ville... est en feu. Oh purée. Ok, d'accord, ouais. Ouais, ils se sont protégés un peu comme les pandas reines, hein. Ok. Salutations. Nous devons trouver le moyen de reprendre sur Amar.
Cela fait des millénaires que mon peuple survit grâce au puits de la nuit. Le mana ancestral est indispensable à notre existence. Sans lui, nous devenons, eh bien, ce que vous avez vu là dehors. Talisra secoue délicatement son flacon pour en faire tomber les dernières gouttelettes. J'ai bien peur de m'être montrée particulièrement imprudente aujourd'hui. Mes sens commencent déjà à s'émousser. J'en suis consciente. Et sans magie pour me nourrir, je finirai par me transformer. S'il vous plaît, trouvez-moi de quoi me sustenter. Entrez à Shalaran et trouvez un moyen d'étancher la soif. Oh, bordel. Oh, broche d'ancien gardien. Selantia veillait sur Shalaran des millénaires durant. Et une cape puissante. Oh, purée. Nous libérerons Suhamar. Bon, ben, j'ai pas le choix. Hein. Je vais au moins faire ces quêtes-là. Quel est cet endroit? Bonsoir. Oh, purée. C'est une ville souterraine ou quoi? Il y a quelqu'un? Je cherche un truc pour mon ami. Eh oh. Echo, echo. Oh mince. Ok, je suis tombé. Est-ce que je peux remonter là? Ah. Ok, peut-être qu'il faut que je descende en dessous. Ah. GG. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Par contre, je veux bien apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, il a l'arme des lunes. Et hop là, merci. Non, il n'y a rien ici, purée. Vestige, ah non, ça c'est pas... Purée, c'est pas le bon truc là que je cherche. Voilà, donne-moi plutôt la carte de la... Ah, les cristaux de mana. Ok, il me faut descendre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est abandonné, il fait noir. Faut que je me jette à l'intérieur ou... Fouiller Shalaran. Oui, j'ai fouillé. Comment dire? Est-ce que je fonce dedans ou pas? Banzai! Ah ben non, ok, je peux même pas... Je peux même pas y aller, il y a un mur invisible. Ok. D'accord, bon ben... Je vais fouiller la partie... Attendez, peut-être qu'il faut que j'aille au milieu en fait. Ah, voilà. Oh, Selantia pousse un hurlement qui attire les anciennes gardiennes. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh là là. Ok, il faut la vaincre. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, collecte. Ah, purée. Ah, laisse-moi tranquille. Hop, cristal. Hop, ok, hop. Ok. Vas-y, Tauron, vas-y, tu peux le faire. Tiens, le pouce en hurlement, il attire d'autres... Oh, purée. Ah, gne. Et le dernier. Hop là. Ok. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Ah! Lien éternel, ok, il faut que je bute ça, j'imagine. Hop! Allez-y, allez-y! Défoncez ce machin! Purée, encore des anciennes gardiennes, oh purée. Je sens que ça va être drôle. Allez, détruisez ce lien! Hop, hop! Parfait. Hop là. Un autre lien ici. Incinérez-les. Ah. Ça, celui-là. Allez, viens. Voilà, défonce-les un peu toutes. Ok. Ok, moi ça va. Hop. Et... Ok, c'est bon. Les liens sont brisés. Elle est vulnérable. En avant! Hop, on claque tout. Oh là là! On est pas mal sur moi, là, par contre. Tauron, help! Hop, voilà, merci, merci. Hop! Ouais, ça a pas l'air de lui faire des dégâts, hein. Bon, tu vas te calmer, là, s'il te plaît? Merci.
Ok, maintenant, dégage de ma vue. Ah, je t'ai dit de dégager. Je tiendrai. Ok. Parfait. Ouf. Je pensais pas que... Je pense pas que ça allait être gardé comme ça, moi. Allez, hop, tiens. Voilà. C'est pour toi. Le mana des lignes telluriques qui courent sous Suramar gagne la surface sous diverses formes. Le regard de Talisra se fait terne et son corps est pris de tremblement. Non, tiens! Talisra prend les cristaux d'une main tremblante. Méfiez-vous de tout le monde. Bah, crépuscule. La prochaine pièce pourrait constituer une cachette idéale maintenant que sa gardienne a été écartée. Venez avec moi. Le salut pour les okay. Chats d'oreilles. Où sommes-nous? Hop! Oh, 800! Allez! Hop là! Quelqu'un a fait l'hydre à Valshara. Nope. Cet endroit. Hop là, merci. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ah ouais. D'accord. Tu vis à côté et même pas tu. Et même pas tu connais ça. Enala! Ah, merci. Voilà qui est mieux. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'ici? De vieux téléporteurs, ouais. Semblables à ceux de Suramar. Ils semblent inactifs. D'accord. Descendons explorer. D'accord. Faites attention à vous. Ouais. On y va. Allez, montre-moi un peu ce qu'il y a à voir ici. Hop, merci. Eh ben... Le sol est bizarre. On dirait une carte. Une carte. Et nous sommes au centre. Tiens donc. J'aime ça. Qu'est-ce qui se passe? Une chose est sûre. L'énergie tellurique est amenée ici depuis ailleurs. Et où? À quoi pouvait servir une telle puissance? À une arme? J'en sais rien du tout. Tiens, est-ce que ça pourrait être utile pour nous? Et ces protecteurs? Ils veillent depuis si longtemps. Où est-ce que tu vois des protecteurs, toi? Le mystère ne fait que s'épaissir. Mais non, t'inquiète pas. Pour l'instant, au moins, les flétris ont appris à ne pas se montrer ici. Ça peut être un camp de base? Et personne au palais ne songera à venir nous chercher dans cet endroit. Ok. C'est un abri parfait. Un d'accord. Foyer de fortune en attendant de regagner Suramar. D'accord. Bon, on va rester ici alors. Mais il me faut d'abord des alliés. Ah, bah oui, bien sûr. Hein. Ça pouvait pas... fais voir là la réputation des souffre-nuits. Ces elfes sacre-nuits exilés souffrent d'être privés de l'énergie du puits de la nuit. Ils s'opposent à l'alliance que leur peuple a conclue avec la Légion et combattent dans l'espoir de trouver la rédemption. D'accord. Le puits de la nuit m'appelle. Oh ! Soif des arcanes, c'est quoi ? La première arcaniste Alistra est dans un état de stabilité. Les sacre-nuits ont une soif insatiable de mana ancestrale que l'on peut trouver un peu partout à Suramar. Ok. Talisra porte une main à sa joue émaciée. Mon corps s'est détérioré à une vitesse fulgurante. Nous, les sacre-nuits, vivons chaque jour sur le fil du rasoir. Ok. Voilà qui fera un bon foyer temporaire. Anrata Ador. Oh. Ah, d'accord, là maintenant, il y a tout le monde qui est apparu, hein. Ça fait quoi, là, son truc? Ça descend même quand je suis pas là, ou quoi? Parlons boutique. Ah, ok, elle, c'est... Ouais. Elle, c'est pour les objets ici. Ces derniers permettent au porteur de trouver des paquets teintés de mana sur les cadavres de ses ennemis. Ah, d'accord. Œil éteint. Un jouet, ouais. D'accord. Ah. Et d'accord, le truc de la moisson noire. Ah, et là aussi les gants en honoré. D'accord. Méfiez-vous de tout le monde. Chlas de crabe propre. bon, on va partir d'ici, hein, vu qu'on n'est pas censé être là. Combien ça nous a pris? Ah ouais, quand même. On va rentrer à Dalaran. Attendez, hop.
Ah, ok, je suis en combat. J'ai fait quoi? Me faudrait juste le truc de vol ici. Est-ce que je peux aller le prendre ou pas? Ou est-ce qu'il va y avoir des souffre-nuits et je vais pas pouvoir le prendre? Hop. Ah si, ça va. Cool. Au moins, si jamais je veux revenir ici, je pourrais. Hop. Ancien annuel. D'accord. Allez, hop, on part. Ah, réputation auprès des souffre-nuits a augmenté de 1100. Ouais, mais je suis pas passé amical. Ah, faudra que je fasse une quête de plus, ça veut dire. Mais bon, là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on retourne à notre hall de classe pour au moins faire ça, là, le truc du cœur de la lumière. On est quoi? Ouais, Ah ouais, il aurait manqué, ouais, juste une quête pour passer amical. Bon, pas grave. En tout cas, ça demande pas les gardiennes, donc ça, c'est bien. Allez, hop, chargez. Hop. Hop là. J'ai reçu un courrier. Ah ouais. Ok, bon, j'irai voir ça plus tard. Parce que bien sûr, il n'y a pas de boîte aux lettres ici. Par contre, oula, il y a plein de gens. C'est normal qu'il y a plein de gens. C'est parce que je suis Sandy, c'est d'un coup, il y a tout le monde. Alors, fais voir un peu. Levez le voile. Oh. Hop là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Ok, coucou. Ne vous inquiétez pas, oh. Créature mortelle. Ouais. Votre conscience a été projetée auprès de ma forme astrale. Ouais. Dans la ténèbre de l'au-delà. Je suis Xera. Coucou. Et j'étais parmi les premiers Naharu à avoir été forgés ici, lors du grand ordonnancement du cosmos. Vous voilà au creuset de toutes les créations, à la recherche de réponses. Ouais. Écoutez bien, alors. Et recevez l'illumination. Il y a bien longtemps, eut lieu une grande bataille qui allait déterminer le destin de tous les mondes. Oui. C'est au cours de ce combat que le tout-puissant titan Panthéon est tombé sous les coups d'un des siens, Sargeras. Oh purée, ok, Sargeras, il les a tous butés. Il ne restait plus personne pour s'opposer à la volonté de Sargeras. Ouais. Enfin libre de ses actes, le titan noir et sa légion ardente se sont mis à annihiler d'innombrables mondes. Mais des survivants de leur croisade en ruine se dressèrent contre les démons. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom d'armée de la lumière. D'accord. Mais à présent, l'armée dorée est sur le point de tomber dans l'oubli. Alors que sa campagne sur Argus se rapproche de son terme. Ah, ils sont sur Argus? Si elle venait à tomber, la Légion lancerait une nouvelle croisade ardente qui ferait trembler tout le cosmos. Oh purée, ouais. Je suis ici en quête de l'enfant de la lumière et de l'ombre. D'accord. Le garçon destiné à mettre un terme à cette ère démoniaque. C'est qui? C'est nous? Celui qu'on appelle Illidan Hurlorage. Quoi? Oh purée! D'accord! Oh bordel! Ok! Ok, c'est Illidan qui peut... Oh bordel, qu'est-ce que je suis... What? Ah d'accord, j'ai été transporté à l'infirmerie. Ouh! Tiens, regardez qui nous revient d'entre les morts. Vous avez perdu connaissance pendant 3 jours. Khadgar sera sûrement soulagé de vous savoir à nouveau parmi nous. Vous êtes quelqu'un de spécial pour lui. Moi, en revanche, je reste une fichue otari. Hein, recoucou Victor. Oh, bordel. Ok, donc voilà pourquoi il faut vite qu'on retrouve Illidan. Oh, bordel. Ouais, c'est sûr que si là, la Légion Ardente met la main sur Illidan, ouais... Ça nous coupe notre espoir de succès. Vos champions sont venus me trouver après avoir échoué à vous réveiller. Ouais. Nous avons jugé bon de vous confier à l'infirmerie. Que s'est-il passé? Eh bien, plein de choses. Mort? Les titans sont morts? Khadgar prend un instant pour considérer cette nouvelle. Cela explique beaucoup de choses, mais je ne peux m'empêcher d'éprouver une terrible tristesse. Nous sommes seuls depuis le début. Nos dieux morts avant même notre naissance. En ce qui concerne l'armée de la lumière et Illidan, je ne sais que faire.
Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Illidan est mort et l'armée dorée est engagée dans une interminable guerre en notre nom au fin fond du cosmos. Laissez-moi un instant, les Rastragos, cela fait trop de mauvaises nouvelles pour le vieil homme que je suis. Ayez foi en vous. Ok. La douleur finira par disparaître. Ah, d'accord. Vous portez à présent ma marque. Ah. Et à travers elle, ouais, je peux ressentir les mêmes choses que vous. D'accord. Revenez me voir quand vous le pourrez. Nous avons beaucoup à faire. D'accord. Ok, bon, ça va. Xera n'est pas mort. Te n'est pas morte. Ça a l'air d'être une fille. Ok. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous aimez. Renifle la vitrine. Hop. Que vos pieds suivent les modèles. Quand même, hein, ouais. Illidan, ce bon vieux Illidan, c'est donc lui l'espoir de tout. Bon, j'imagine que là on a fini ce truc. Ouais, j'ai reçu une lettre. Ah, mais ah oui, merci Chris. Hop. Obliterium 0 sur 7. Ok, ouais, avec l'Obliterium, c'est le nouveau truc qui permettra d'améliorer les... d'améliorer justement les pièces d'armure. Ok, merci Chris, ma. Bon. Bon, combien on en est là? Ah. Est-ce qu'on va faire le donjon ou pas? Où est-ce qu'ils en sont là? Sur Amar, machin, ok. Tranquille. Je vais aller sur TeamSpeak. Hop. Ah, ok, ouais, ils sont dispersés. Ouais, il y en a qui sont pas là, zut. Hop. Hop, voilà, re les amis. Bon, nous sommes retournés là. Bon, il y a des quêtes, hein, mais après, ça a l'air d'être des quêtes 110. Oula, j'ai appris qu'un convent de harpies et de rocs se préparait à nous attaquer. Ces créatures descendront des montagnes au nord d'ici. Manœuvrez l'un des lances bolas, je me chargerai du second, vite. Plus 42, ok. Ok. Ah. Ah. D'accord, elles ont disparu. Hop là, enflammé. What? Oula. Ah. Hop, voilà. Pourquoi elles ont disparu d'un coup, là? Oh, toi, non. Hop. Bon, je pense que ça va se transformer en quête journalière après. Hop. Feu. Purée, pourquoi elles disparaissent? Je comprends pas. Bon, finalement, ça va être un peu plus long que je le pensais, hein, 42. Hop. Hop. On leur envoie des bolasses. Hop là. Du moment qu'on leur envoie pas des bolos. Oh purée, j'ai utilisé ça pour rien, merci toi. Putain, en plus, ça me compte pas, hein, ce qu'il fait lui, là. Arrête de tirer, là. Elles sont pour moi. Ah. Purée, il est en train de me défoncer mon score, là. C'est mon score, ok. Faut que je sois plus rapide que lui. Hop là, toi, là-bas. Ok. Ah non, ok, il avait disparu, enfoiré. Arrêtez de disparaître. Non, lui, il est pour moi. Hop là. Hop. Non, zut, je l'ai complètement loupé. Toi, là, tiens. Hop, hop, hop. Allez, chacun votre tour. Hop, on évite qu'elles approchent trop. Hop là, toi, là-bas. Tiens. Ok. Ah, arrête de t'approcher, là. Non. Hop, hop, hop. Ça a pas l'air de me les compter, c'est bizarre, ça. Ok, il en faut peut-être plus. Ah. Ok, oui, voilà, c'est ça. En effet. Hop. Oh là là. Oh mince, j'ai complètement loupé. Ah. Ok, j'ai encore loupé. Pourquoi ça me compte plus, là? J'ai fini ou quoi?
Ah ouais, j'ai dû finir, c'est pour ça. Hop. Ok, ouais. J'ai eu peur. Vous avez fait du bon travail, les Rastragos. Merci pour votre aide. Ok, ouais, ça doit être ça. Ça doit être des quêtes de réputation, maintenant. Hop. Dans les vallées de nos montagnes défilent de nombreux nouveaux voyageurs. Certains de ces étrangers ignorent tout de nos traditions. Nos chefs ont des affaires plus urgentes à régler, mais Losro et moi-même sommes douloureusement conscients de la présence de ces chasseurs dans le bassin voisin. Avec leurs fusils et leurs gadgets, ils passent à côté de l'essence même de la chasse, celle de la traque à l'arc. Peut-être que si nous leur offrons des flèches, certains d'entre eux, pas tous, je le sais bien, cesseront à l'arc de la chasse tel que nous le pratiquons depuis toujours. Ah, et mettre les Ingwari, ok, d'accord. Non, ça c'est finalement pas une quête pour... une quête pour ça. Ouais, on va descendre tout doucement. Et on va aller faire les quêtes des totems de sang. Hop. On va essayer de vite finir la quête principale d'ici et récupérer le marteau de Kazgoroth. Bon, au pire, peut-être que j'irai faire une quête de Talisra. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, je me souviens plus. Et on ira justement après faire quelques quêtes au Val Argent. Enfin bon, après il faudra peut-être un petit moment avant d'arriver au Val Argent pour monter la réputation. Mais bon, il faut que j'enregistre le plus possible, bien sûr. Oh purée. À l'aide. Hop. Ok, on y va. L'exploration de Suramar, GG. Ok, il nous faut traverser un peu tout ça. Oh, ouais, ils ont l'air d'être à côté, là, les Ingwari. Hein. Je vois un peu leur campement. Je me demande s'il y a encore les objectifs bonus ici. Vu que je suis chasseur amateur, ok. Hop, il nous faut aller là-dedans. Je sais pas, il n'y a pas l'air d'y avoir d'objectif bonus. Bon, on fera ça, on fera ce rare plus tard. Hein. So good. Il faut passer dans cette grotte-là. Tania a des museaux bourbeux. Ok. Quel est cet endroit? Ah, il y a une quête en tout cas. Une quête, mais bon, je pense que ça doit être une quête annexe. Apprenti Rosaline. Les heures sombres vont s'achever. Tiens. Ok. Cette route est dangereuse, aventurier. Des kobolds ont attaqué notre caverne avant de filer avec les carcans d'âme que nous étions censés apporter à Alari pour interrogatoire. Ah, c'est des chasseurs de démons. D'accord. Bon, j'irai faire ces quêtes plus tard. Hein. On va essayer de finir les quêtes principales ici pour ensuite aller à Thorneim. Faire les quêtes là-bas également. Faut qu'on aille assez vite quand même. Hop, GG. Chant d'Anché, ok. Et hop, coucou. Sors ce bois. Ah, d'accord. Oulala, j'aime pas ça. Où est le maître de vol, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là, ok. Hop, je vais prendre le maître de vol. Ok. Bon, j'ai oublié de mettre le point dans l'arme artefact, mais bon, bien, on le fera plus tard. Alors. Tu es là. La rivière nous nourrit. Rares sont les étrangers comme vous à avoir atteint ces bois en un seul morceau. Je me suis porté garant de vous et Torok a ordonné au totem de sang de vous laisser la vie sauve. Ok. Il y a peu, vous êtes venu à mon secours à Courberive. C'est la raison pour laquelle je réponds de vous en tant qu'émissaire auprès de la tribu, et c'est aussi pour cela que vous êtes encore en vie. Je considère à présent m'être acquitté de ma dette envers vous. Vous devez prouver au chef totem de sang que vous méritez son attention. Au cœur de la forêt, vous trouverez la sorcière du bois, une mère harpie qui a récemment élu domicile dans ce territoire. Si vous parvenez à la vaincre et à rapporter son cadavre à la tribu totem de sang, vous obtiendrez peut-être une audience auprès de Torok. Torok ne faillira pas. D'accord. Ah.
Nous nous retrouvons en territoire hostile. Merci encore pour votre aide à Courberive. Méfiez-vous des totems de sang, ils ont tendance à malmener les étrangers. Ok. Les Drogbar dont vous avez réussi à me libérer étaient bien plus agressifs qu'à l'accoutumée. La tribu qui habite dans les grottes à proximité semble s'être désolidarisée des autres, mais cela n'a pas empêché les totems de sang de passer à l'offensive juste au cas où, et de prendre quelques prisonniers. La manœuvre a cependant laissé la forêt à la merci des harpies. Si vous pouviez nous aider à venir à bout des sorcières, cela ne passerait pas inaperçu aux yeux de Torok. Rapportez leurs plumes comme preuve de leur trépas. Je n'oublierai pas ma dette envers. Ok. Ah, chef Sombre-Pierre. Navarog. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Sous l'influence de Dargrul, mes cousins sont devenus comme fous, assoiffés de pouvoir. Pourtant, je vais vous demander de mener une enquête. J'ai le sentiment qu'une catastrophe menace de s'abattre sur Orok. Et je sens que Torok et ses totems de sang en seront les responsables. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil à la face nord de la plombe. Ok. Merci, Kamet. Alors, on va voir ça. La plombe. Ah, de la vulpile, merci. Hop là. Parfait. Ok, elles sont là apparemment. Hein. Ouais. Ah, la plombe. Qu'est-ce qu'il veut qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il veut qu'on aille ou... Peut-être dans là-dedans. Oh, que devons-nous donner en échange? Tout! J'imagine que ça pourrait être pire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Grotte de l'épreuve de sang. Oh là, j'ai vu quelque chose que j'aurais peut-être pas dû voir. Ok. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Non, apparemment non. Ah, il y a un truc en... Non, ok. C'est où qu'il faut aller voir là? Peut-être au-dessus. Je crois que j'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû voir et que je vais détester. Fais-moi voir ça. C'est peut-être dans la tanière là. Ah non, ici. Oh. Oh oh. Coupe. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, oh là! Éloignez-vous de ça, intrus! Oh non! Je connais ce truc que trop bien. Oh purée! Guldan est venu ici ou c'est moi, là? Oh bordel, il est venu leur proposer du gang ressent. Oh, non! Pas les taurennes! Hop, je prends ça, merci. Oh! Oh oui, vas-y! Fais-nous un chemin de plantes, là. Hop là, hop là, hop là. Ouais! Ouais! Des plantes, des plantes, des plantes! Hop là, hop là, hop là. Hop là, merci. Alors, où est-ce qu'elle est, la sorcière? Ok, ça a l'air d'être... Ouh là là! Roupille! Attends, je veux buter ce mobrar, moi aussi! Ah purée, là, elle m'attaque comme ça, là, j'y crois pas. Purée. Ah, je veux pas mourir, what? Pourquoi ça me fait autant mal? Défonce-la, elle aussi, là. Wouah, ça me dépote. Tiens, tiens, dégage de là. Arrête de m'attaquer, attaque plutôt mon familier, bordel. Ok, merci. Tiens, c'est bon, on revient à la charge pour toi. Hop là. Ok. Et voilà. Parfait. Merci. Ok. Oh, collier de fluide rêve. Ok. Ah mince, j'ai... Ah non. Ah non, c'est bon. Hop là, merci. Merci.
785, j'ai quoi moi? Ah, ok, faut que j'enlève la chaîne du Volver, mais je la garderai comme souvenir. Hop là. Hop, sauvegarde. Et remets la cape. Oula, il y a des ours ensorcelés, d'accord. J'aime pas cette musique. J'aime pas ça du tout. Les plumes, ouais, et la sorcière a l'air d'être là. Ouais, c'est indiqué qu'elle est là, mais après... Elle est peut-être morte, il va falloir attendre, je pense. Ah, un œuf de harpie. Tiens donc. Ça fait quoi de prendre leur œuf? Hop. Ok. Fais voir au fait les plumes de harpie également. Hop, destruction, d'accord. Il y avait peut-être un objectif bonus. Hop. Ok. Et... Ah, rempli de flèches délicatement taillées à la main et empennées par l'orsereau plume grise, ok. Et pour les plumes, une plume de harpie, d'accord. Non! Elle est en train de faire je sais pas quoi avec ce... Ah! Ok, bon, il va nous falloir le tuer. Dommage. Oula, c'est bon, il prend cher la... Oute, c'était quoi ce bordel? Oula, pourquoi ton rune il prend cher, sérieux? What? Ok, faut peut-être tuer le noble direct. Bon, je vais invoquer ton rune. Oula! Oh, il m'inflige du sang. Du sang K quand même. Hein. Hop, on va vite le défoncer lui. Voilà, et maintenant on peut faire affaire à lui. Faire à elle. Hop là. Tu vas te calmer là! J'y crois pas. Dégage d'ici. Hop là, ok. Ah, merci pour les marchandises. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hop. Ah, ok, des poissons et de la étrille. Génial. Hop là. En avant! Hop. Allez, vas-y l'écureuil! Hop là, et hop là. Ok. Wouah! 215k! Ça doit être pour la malédiction, enfin le destin funeste. Il manque encore des plumes. Hop. Ouais, je pense que maintenant que je suis niveau... que je suis niveau 110, il doit plus y avoir les objectifs bonus de disponibles. Ok, tant pis. Oh, Gornot le perdu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'espère qu'il va pas venir dans ma direction, ça serait pas cool. Oh purée, j'ai l'impression qu'il arrive. Ça doit être un mob pour les expéditions, ça. Un mob appuyé pour les quêtes mondiales. Oh, non, n'approche pas. 20 000. Oh, ah. Voilà, passe par là. Hop, viens ici, le familier, viens ici. Ok. Laisse-le passer. On le laisse passer. Hop. Ok, bon, encore des plumes. C'est qu'il y a d'autres harpies. Non, ça c'est un ours. Vaut mieux pas tuer les ours. Ah, harpie. Hop. Toi là, amène-toi. Non, on va pas l'attaquer, purée. Il y avait l'ours à côté. Pourquoi t'y allais là, Toru? Il fait chier. Oh purée, mais... Eh, mais mon familier, il prend super cher. C'est quoi le bordel, là? Purée, mais... Tu vas arrêter de me taper, toi, aussi? Purée, on prend au taquet cher. C'est n'importe quoi. Oh purée, d'accord. Il est mort. Ok. Ouais, non, ça, par contre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Dégage de là. Purée, on prend au taquet cher, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Ah, oh, puis on me dit pas qu'il revient.
Ok, non, ça va, il passe à côté. Putain, what the fuck? Wouah, sérieusement? Elles font archi mal. Tiens, tais-toi là. Ok. Oh 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 oh. Voilà, on te laisse passer. What? Pourquoi je suis... Non, purée. Celle-là qui a aggro. Allez, vas-y, on va la défoncer, là, celle-là. Allez, hop. Elle attaque. Putain, elle inflige presque plus de 100k à mon familier, là. Il se fait ouvrir, c'est nimp. Plus que 3. Oh, purée. Ok, c'est toi qui as été désigné. Regarde, ça 158k rien que comme ça, quoi. Elle m'enlève quasiment tout mon boubou. Salope! Allez, hop. Tais-toi. Ça vaut mieux. Hop. Parfait. On va aller rendre tout ça, mais bon, j'ai l'impression que ça va pas suffire à leur donner raison, sauf si je peux les empêcher de... Oh, purée. Non, dégage, je veux pas. Est-ce qu'on va pouvoir les libérer du sang démoniaque, là? Oh, purée. Tu avais raison, ils sont en train de faire n'importe quoi. La cage est vide, Navarog a disparu. Oh, mince. Oh, oh zut. Oh, oh, ça, c'est pas cool. C'est bon de vous revoir. Ok. Les totems de sang ne tolèrent que très rarement des étrangers parmi eux. Le simple fait de leur demander audience est périlleux en soi. Orok ne faillira pas. Vous êtes plus fort que vous n'en avez l'air, les Rastragos. Je les ai entendus hurler d'ici. Après cette victoire et la défaite de la sorcière du bois, vous allez sûrement avoir droit à votre audience auprès de Torok. Il faut que je vous avertisse que Torok s'emporte facilement et qu'il déteste cordialement les étrangers. Soyez prudents. Nous allons lui demander audience sous sa tente à l'aplomb. En tant qu'émissaire de Crainte de Rive, je bénéficie d'une certaine immunité, ce qui n'est hélas pas votre cas. Ok. Je n'oublierai pas ma dette envers vous. Allons-y dans ce cas. Oh, je le sens mal. Je le sens mal. Où est Torok? Ah, d'accord. Le chef vous attend en bas dans la grotte, Crainte de Rive. Ok. Salutations. Étrange qu'il soit dans la grotte à cette heure-ci, c'est peut-être bon signe. Tous les totems de sang ainsi que leurs invités distingués doivent passer l'épreuve de sang dans la caverne qui se trouve sous cet avant-poste. J'espère que c'est bon signe qu'ils tiennent à ce que vous participiez à ce rite initiatique. Vous allez devoir apporter la preuve de vos exploits, vaincre un belliciste en combat singulier puis accomplir un sacrifice sur un autel au cœur de la caverne. What? Ah, placer le cadavre, d'accord. Orok ne faillira pas. Ok, bon, on y va dans ce cas. Rejoignez-moi dans la grotte en bas. Ouais. Ils veulent voir le cadavre de la harpie que vous avez tuée. D'accord, bon, on y va, hein. Que devons-nous donner en échange? Tout. On dirait la discussion de Gul'dan avec Gros Mash lors de la cinématique. C'est la personne de... qui a tué la sorcière du bois. Elle est là pour rencontrer Torok. Ouais, je suis là. Ah, ok, Torok, il est là. Ça, c'est quoi? Non, corrompu pas. Tiens, voilà. Hop. Un adversaire, voyons de quoi celui-ci est capable. À l'attaque. Oh. Ah, ça, c'est pas passé inaperçu, ça. Alors là, mec... T'as fait une grave erreur en taille ardente. Non, pourquoi vous êtes voilé? Allez doucement avec vous. Venez, parlons. Ok, j'arrive. Orok ne faillira pas. Il est dit qu'un étranger portera le marteau de Kasgoroth, mais je doute que vous puissiez ne serait-ce que le soulever. Cheno Buffle de Fer se porte garant de vous. Il est plutôt doué pour un crin de rive. Vous avez également apporté avec vous une preuve de votre force, même si je ne la trouve guère concluante. Avant d'avoir l'autorisation de circuler librement sur notre territoire, vous devez achever l'épreuve de sang que vous avez déjà commencée. Si vous y arrivez, mais j'en doute, nous parlerons.
Pénétrez dans les profondeurs de la caverne. Venez à bout de l'adversaire que vous verrez apparaître et revenez me voir. Ok. Ouais, 775, hein, c'est pas fameux. Mais votre faiblesse passe-t-elle pour de la force par chez vous? Tu vas te la fermer là parce que je commence. J'aime pas ton ton là, mec. Salutations. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, ok, Torun, qu'est-ce que tu... Oh, 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 ça j'aime pas. Ah, c'est donc vous qu'on m'envoie. Bonne chance. La rivière nous nourrit. Eux J'ai un mauvais pressentiment. Oh non, ils veulent que je tue Navarogue. Oh purée. Oh oh, drogue barre sombre pierre. Oh, oh. Attention. Oh. Piège. Oh, Marakan. Oh non, à mort. Non, chez nous. Oh bordel. Oh. Ah. Oh. Enfoiré. Ah. Oh là, il a 8 millions quand même là. Il va falloir tout claquer. Oh là là. Blue Blaze. Tiens. Oh. Ah, coucou, belliciste, what? Oh. À vous bordel, pourquoi lui il est venu là? Purée, l'anneau il fait rien comme dégâts, sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Oh bordel. C'est quand même les dégâts infligés de zéro. Oh purée, l'anneau il a baissé de puissance. Oh. Ok, je pensais qu'on pourrait encore l'utiliser, genre, mais en fait non. Oh bordel. Ah. Allez, on le défonce. Oh oh. Ouf, ça va, il m'a même pas touché. J'aurais encore un. Mais pourquoi ils viennent là, eux? Bordel. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui arrive à chaque fois et qui amène des gars. Ah, on va y arriver. Hop là. Appelez des renforts. Oh. Quel entourloupe méprisable. Oh. Vous n'êtes pas digne de cette montagne. Oh purée. Bill corrompu. Non. Oh purée. Merci de m'avoir sauvé. J'espère qu'à présent nous pouvons nous faire mutuellement confiance. Il le faudra bien si nous voulons vaincre les totems fétides. Ah, ok, ils ont même changé de... Ok, on va prendre ça. Hop. Mieux vaut filer d'ici tant que nous le pouvons encore. Les totems de sang sont en train de se rassembler à leur village au nord et je pense qu'ils ont l'intention de massacrer les miens. Dites-moi quand vous serez prêts. Je connais un lieu sûr où nous pourrons rapidement nous réfugier. Ok. Je peux nous faire sortir d'ici. Je connais un passage secret. Fichons le camp. Oh purée, ouais. Oh. Cassos. Ok, hop. Là, refuge de Navarogue. Vous n'avez que peu de raisons de me faire confiance, mais nous avons un ennemi commun, les totems de sang, et j'aurais besoin de votre aide. J'élève des créatures nées de la terre pour nous défendre, moi et mon peuple. Lorsque j'ai été fait prisonnier, je leur ai ordonné de rester chez nous, mais elles me désobéissent souvent. Il y a de fortes chances qu'elles aient décidé de me suivre. Si c'est bien le cas, je crains que les totems de sang ne les aient capturés, ou pire encore. Malheureusement, je n'ai pas la force de partir à leur recherche. Si vous pouviez les retrouver, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Ok. Ah, oh, purée, il y a encore plein de quêtes. Où on en est, là? Ah, ok, ouais. Bon, je pense que ça va être la fin de cette partie, les amis, hein, de cette première partie du questing. Il y a vraiment plein de choses à faire, hein, on n'a pas encore terminé. Bien. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, au moins pour débloquer les expéditions, au moins je pourrai partir les faire, me stuffer, etc. Je risque aussi peut-être de faire les donjons sans vous. Mais je les enregistrerai pour ben, peut-être à part le bastion du Freux, ça peut-être que je l'enregistrerai, mais genre les autres donjons de Légion, je les ferai peut-être tout seul. Et après je les enregistrerai lorsqu'on aura une quête à aller faire là-bas. Hein.
C'est juste histoire de me stuff. Après, bien sûr, je dis ça, mais bon, on verra. De toute façon, là, cette partie sortira dans longtemps. Hein, j'aurai peut-être déjà fini le questing lorsque cette partie sortira. Donc bon, voilà. Néanmoins, merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait, pour suivre l'actualité, tous les posts que je mets, et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis, ciao ciao! Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Pourquoi je suis à terre là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais cours! Je veux pas rester là putain! C'était quoi ce bordel? C'était quoi ce cri? C'était des bruits chelous.